Hey gamin! Quoi? Tu aimes le contenu du Lennon? Ouais, ça va, ouais. Eh bien, dans le doute, sois sympa et clique sur le pouce bleu. Abonne-toi aussi et appuie sur la cloche. Ça aide le Lennon et ça l'empêche de devoir se prostituer. Ah bon? Ah bah si ça peut aider pour ce que ça me coûte, quelle journée à foutre. Et si jamais tu te sens sociable, n'hésite pas à laisser un petit commentaire. Ou un gros commentaire. Voilà, parfait. Oh là là. Ouah, bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bonne année! Ouh! 2022 sera aussi pourri que 2021, qui sera aussi pourri que 2020, je vous le garantis. À la photo de couple avec le... Oh là 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 là! Pouk! Ah, c'est parfait! Elle fait un peu des bruits de hentai, cette bouillotte, hein, écoutez. La balance, on s'est surveillé, c'est bien, c'est important. Une balance, quelque part, c'est comme la peur administrative. Tu sais, quand t'oses pas ouvrir tes lettres ou répondre au coup de téléphone. Une balance, c'est comme quand t'as peur d'aller sur ton compte en banque parce que t'as peur d'être dans le rouge. Ça fait partie des difficultés de la vie, mais il faut faire face, toujours. Être au courant que t'as un gros cul, c'est le premier pas pour le soigner. C'est pas parce que t'es sorti avec un ultra giga tchad qui t'a traité comme de la merde avec de l'huile d'olive et tout que il faut pas prendre soin de soi après, ma biche. Sortir de dépression, ça commence par une bonne douche. Puis, ça continue avec une bonne bouffe, ça s'enchaîne avec une bonne branlette, et ça se termine avec une bonne soirée sociale avec tous ses amis. Mais j'ai pas d'amis. Ça se termine avec une bonne soirée qui te donne l'impression d'avoir eu un cercle social aussi léger soit-il. Genre une partie de TF2, ça compte. Non. 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 Rends-moi mon slip! Merci. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que... Pourquoi t'as ça? J'étais en train de te féliciter? J'étais en train de te féliciter sur ton utilisation intelligente de l'espace! Pupus! Qu'est-ce que c'est que ce jouet sexuel? Ah bah oui, c'est anti-stress! Évidemment que c'est anti-stress! De toute façon, les femmes, ça se déstresse de la manière la plus étrange possible, hein. Parce que moi, je vous annonce, hein. Si on mettait ça là où je pense, je serais en stress. Il en faut pour tous les goûts, surtout à la fraise. Une balle anti-stress, oui, oui, les excuses! Ça sera mon coin artistique! Ouais, 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 vas-y, ouvre un OnlyFans. J'ai un dossier gars. Gaston, me jugez pas. Ça l'affiche. Qu'est-ce que ceci faisait sur ton disque dur? Ah, beaucoup de choses. Bref, n'y pensons plus, reprenons. Maintenant, plaçons ce fichier sur une carte. T'as pas choisi un fichier qui t'était trop cher, hein. Si cette carte meurt, je devrais supprimer le fichier de ton disque. Ah non! Fichier otage! Quand une carte tendue de cet emblème meurt, le fichier utilisé pour l'invoquer est supprimé définitivement de disque dur. Non! Non, pas mon image, votez Gaston! Salaud! Vous ne l'aurez pas! Voilà, nique-toi. Rends-moi mon fichier. Prochain robot, il fait quoi? Il regarde ton historique internet? J'espère pas. Spoiler, je suis pas allé sur Reddit. Hein. C'est comme ça que je m'appelle? Tu peux m'appeler Sapristi. J'ai tellement hâte. On va l'explorer. L'internet! Le futur! Alors ça, c'est à ça que ça ressemble, une taupe. Chouette, je crois que je capte un signal. C'est qui, ça? Ce sont des contacts? Oh, il y a Benzaï! Il y a Chitos! Ah, il y a Haru! Ouah, il y a l'audio connard! Ça, c'est en train d'aligner tous mes potes. Dame, dame. Dame, yo. Putain, c'est Ricardo, le type! Oh, la pression qu'il me met! Tu es trop précieux pour ce monde. Tu es trop précieux pour ce monde. C'est pas mal, hein. Je trouve que... Ouh, non, attends! Pa-p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 a
Tu apprendras les termes. Ça, c'est beau. Vous savez quoi? C'est mon privilège, en tant qu'homme, mâle hétéro cis blanc, de n'avoir qu'un seul produit. Une meuf aura 19 shampoings, 7 après-shampoings, 3 aftercare, 3 shampoings à sec, 2 sprays, un délubrifiant, un zonant, un truc pour leur faire perler les cheveux, un lisseur, un après-peau, un après-skincare, un spray démoisturizer skincare, un pour les mains, un pour les avant-bras, un pour le visage, 3 crèmes différentes et 5 huiles, sans compter le savon intime. Et pourtant, ma peau et mes cheveux sont meilleurs que les leurs, parce que je suis un homme et parce que moi j'utilise un produit 36 en 1 qui fait shampoing, lave-vie, douche pour le corps, bulle, désinfectant, nettoie sol, liquide vaisselle, sirop à la menthe, dépacteur de chiottes, liquide amniotique, huile, dentifrice, huile moteur, vinaigre et dégraissant pour le four avec, si on rajoute un petit peu de sel dedans, liquide de refroidissement. Et ma peau est parfaite. Musculeux. Je cherche des bites et des bouches, rien à signaler. Au rapport, Spectre 8. Tout va bien, en recherche de chatte. Avancez prudemment, ils sont gentils, il y a des zombards si tu veux, je suis tout seul. Bon, faut sans décoller, des renforts. J'ai besoin de renforts et d'un Big Mac. Et un chocolat chaud. Ici Spectre 8, je demande une augmentation. Terminé. Ah, te voilà, salope. Oh shit. Ici Spectre 8, j'aimerais introduire la demande formelle d'une thérapie à mon retour. Attendez-vous à une promotion imminente. Bien reçu, affirmatif, ça c'est 5 sur 5, j'ai tout compris. Est-ce que je peux avoir un Big Mac? Contrôle, rien à signaler, juste un jumpscare. Centrale, j'ai un nudiste en visuel, demande des conseils. Centrale, le classe 5 de type UT est en train de me blesser dans mon amour propre. Demande thérapie d'urgence. Terminé. Spectre 8, vous allez avoir droit à une augmentation. Négatif. Je requiert des vacances. Terminé. Chauffeur, amenez-moi à Acapulco. Chut. Jess, j'aurais pas ralentir, j'arrive un peu vite là, non? Ah ouais. Ce que Jess veut dire, c'est qu'il y a un petit problème avec le crampon d'amarrage du L-Pod. Ah bon? Il n'y en a pas en fait. Ah, mais comment je m'amarre au matou du coup? Attache ta ceinture, gamin. Qu'est-ce que tu racontes? Pour faire simple, vitesse de frappe. Quoi? Mon taux de pénétration est beaucoup trop élevé. J'y vais pas avec une demi-mort. Charlie, tu m'entends, est-ce que ça va? Centrale, je confirme que la station spatiale est désormais enceinte avec ma grosse poutre. Qui tue pas, te rend plus fort. Mais ce qui me tue me rend mort. Un fermier contre 19 000 fermiers. Voyons voir comment ça se passe. Bien évidemment, Billy Paysan. J'ai toutes mes chances. Il a toutes ses chances. Il a la vie devant lui. J'ai la vie devant moi. On dirait un tableau de Leonardo da Vinci. C'est me. Comme qui irait dans mon pays. Porte-couille. Oh là là. Muride. Mon joie Saint-Denis, il est trop fort pour nous. Oh non, il a une fourche, c'est le légendaire super paysan. Sac de blé. Agricole. Oh là là. Il est trop fort. Garde ça. Bouc, allez, troisième victime. Hop là! Raté, mon ami, raté! Ce n'est pas comme ça qu'on traite les vaches! Que dis-je, les vaches? Un porc! Oh là là! Est-ce que tu me sens proche de toi? Oh, recule, recule! Pourquoi tu ne me tues pas? Pourquoi tu ne me tues pas? Parce que je veux tuer tous tes amis d'abord et les voir souffrir! Ouah! Double kill? Double kill! Mon objectif n'était pas de te vaincre, mais de t'humilier! Magnifique! Quel duel! Musculeux! Mon mari m'a quitté pour une autre femme. J'ai enfin trouvé leur petit nid d'amour. Je supporte pas l'idée qu'ils soient heureux dans les bras d'un autre. Je veux qu'ils sentent les flammes de ma jalousie. Je veux voir leur cocon et leur sentiment partout. Madame! Potion d'explosion. Oh, pas mal! Vous la voulez? Bien sûr! Elle est fantastique! Je vous assure, madame. Manipulez-la avec soin. Elle est nickel. Elle va exploser? Elle est nickel. Vraiment? Elle réduira la maison de mon mari en fumée? Elle est nickel. Bonjour alchimiste, aujourd'hui les gardes de la cité vont attaquer des bandits par surprise, il me faut une potion explosive. Oh, vous me faites tellement plaisir. Potion d'explosion, monsieur, notre meilleure vente. Et vous allez tuer des gens? Absolument. Les bandits vont pas voir ce qui les frappe, ils vont couiner un peu comme ça. Perdre des bras et tout. Vous me raconterez. Oh là 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 là. Mamazelle. Tu... t'achètes. La potion de soin, c'est ma meilleure vente, hein. Ça coûte presque rien à faire. Putain, j'adore arnaquer les meufs comme ça. Tirez-vous. La terre est belle. La terre. La nature. Les montagnes. Les nuages. Les vallées. Les océans. Le lierre. L'herbe.
les collines, les chevaux, les prairies. Tout ceci est insignifiant devant l'univers. Vers l'infini et le métal. Le tout-puissant futur, ça colle. Honnêtement, je suis le tout-puissant futur. Oh. Mesdames, messieurs, bonsoir. Dans la vie, il faut savoir rester positif. Mais attention, positivité, Covid et Sida ne sont pas loin. Et avec les élections qui approchent, tout le monde se pose la question. Mais où est Zemmourine? Reportage spécial par Michael Kull, c'est tout de suite sur Bob FM TV. Ah putain, ça m'avait manqué. Le père Zera, il est là, il est ivre, il défend Jésus-Christ. Mais par contre, il joue au cac, moi j'ai plus de portée, donc faut que je profite de ma portée. Ah, bien joué, il m'a touché. Oh, le chapeau. Oh, c'est le bras. Eh ouais, la branlette, c'est un péché, fils. Deus vult. Et voilà, c'est comme ça. Ce perso, il est parfait. Oui, je me bats contre les fantômes invisibles et du Z-Event, ça touche. Tranché en deux comme les mères de Moïse. Ici, c'est pas que la picole. Eh, Pep, t'as une tache, là. Là. Hop là. Ils veulent t'entendre encore, Wilma. Nous devons profiter de cet instant de gloire. Comment avance ta nouvelle composition? Pardon, excusez-moi, ça m'a touché. Parce que comment avance la corne des sables d'ivoire? La suite de la forteresse du chandon noir? J'ai un peu plus de mal que pour le premier. J'avance. J'arrive pas à me concentrer avec tout ce bordel. Excusez-moi, Madame Tempête, silence. Mon PC est en plein DCA. Mais il se téléporte plus vite que des étudiants pour aller récupérer des chèques qu'à la CAF. Hey, step it up. Voilà, Mafia Wars, mon gars. Et lui, regarde ça. Olé, Jean-Michel. Matonio, qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que les gens y font, là. Je tords. Mais tu tords pas, ça se dit pas tord. C'est toi qui es tordu. Comment ça se dit, alors? Ça se dit flex, tout flex. Je flex. Maintenant, tu es juste con. Et ma plus grande crainte, c'est d'être incapable de faire du contenu de qualité pour vous pour le second bouquin, au même titre que j'ai fait ce que j'estime être du contenu de qualité pour le premier. Parce que j'aimerais bien réatteindre ce tel niveau de réussite. Mais quand je me lis, j'ai l'impression que celui qui a écrit ça est meilleur que je ne le suis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est étrange, hein? Je sais que c'est moi qui l'ai fait, je me souviens de tout, mais est-ce que je suis capable de faire la même chose? Et c'est toujours les grandes questions, tu vois. Normal, ça c'est à cause de David. Non mais oui, mais... Bon, niquez-vous. Je m'adresse à tous les gens qui regardent cette vidéo et qui ont deux enfants. Quand vous regardez le deuxième, est-ce que vous regardez pas quand même un peu le premier en vous disant... Je déconne. Ça parle mal. Putain, elle est comme moi, elle a tchoupi en double. Bob, t'as tchoupi en double. En triple! C'est pas parce que notre meuf, elle est dessinatrice et ça, c'est pas les personnages qu'elle arrêtait pas de dessiner partout. Mais si! C'est sa forteresse du chaudron noir! Il en faut un dans chaque pièce. Oh! Oh bah oui! Oh bah ça utilise des trucs pour se protéger les poignets! Oh bah ça a mal! Oh bah ça a pas joué à Counter-Strike toute sa vie! Oh bah oui! C'est pas allé dans les cybercafés, ça madame! Ça a pas développé l'espèce de grosse boule au niveau du poignet, ça madame! Ça a besoin d'un pas de tapis de souris spécialisé, ça madame! Je suis sûr c'est payé avec l'argent de la CAF! La manière dont je l'ai cliqué pour la poser, le truc, vous avez entendu tout mon mépris!